Chef, regardez-moi ce bazar. J'ai jamais rien vu de pareil. Ça doit être encore du cinéma. Tu as passé le mur du son. Merci, noble tribun. Doug, à toi de jouer. Tu sais, Bob, j'ai peur de ne pas y arriver. Écoute, Doug, ce n'est pas compliqué. Tu sors de la voiture et tu dis, et voilà le travail. Mais Bob, tu oublies que je ne sais pas conduire. Doug, la voiture est à l'arrêt. Il suffit d'ouvrir la portière. Bon, d'accord, je vais essayer. Master, ça tourne. Fureur dans le désert, 53 première. Oh. Action. Qu'est-ce que je dis déjà? Et voilà le travail. Ah, et voilà le travail, oui, c'est vrai. On peut tourner quand tu veux, Bob. Chers amis, je voudrais vous montrer la fameuse scène du record de vitesse. Je ne sais pas ce que vous en direz, mais moi je trouve que ça remise l'Oscar. Et voilà le travail. Oh. Bravo, Doug. Ah là là, vous êtes merveilleux dans cette scène. Merci, Gloria. Van. Et le plus beau, c'est que Doug doit avoir l'impression que c'est lui qui roule à 1000 à l'heure. Master, allez! Ça tourne. Action! Continue de t'éloigner. Ça tourne toujours. Il faut que ton avion ne soit plus qu'à un point à l'horizon. Bien reçu. Marche Jupiter, Zazie. On va pouvoir faire demi-tour. Oui. M'aider, m'aider. Ici Air Force One. Ah, ici Tango, Romeo, India, Papa, Lima, Echo, Zulu. Je suis en train de faire une cascade aérienne pour le cinéma. J'ai très peu d'autonomie. Ici Air Force One. Avion du président des États-Unis. Nous sommes en panne de commande. Connaissez-vous un terrain où nous pouvons nous poser d'urgence? Où êtes-vous, Air Force One?
Je suis derrière vous. Nous allons commencer la descente et faire un demi-tour sur la droite à 2000 pieds. Si je ne t'ai pas demandé de revenir, le plan n'est pas terminé. Je t'expliquerai plus tard, Bob, mais je te conseille de dégager. Ça alors, peut-être pas du tout qu'on me parle que ça... Écartez-vous, c'est un ordre. J'ai compris, pas de rassemblement. Mais par Vulcain, tu me sembles bien nerveux, Centurion. Tu ferais mieux de nous remercier au lieu de... Biljo, voyons, laissez nos amis tranquilles. Monsieur le Président, ça peut être dangereux. Ce patricien est président de quoi? Des États-Unis. C'est l'homme le plus puissant de la planète. Oh, pas autant que l'était César. Oh, mais qui aperçois-je? Les meilleurs, les plus grands, les plus extraordinaires, les plus fantastiques, les plus remarquables, les plus brillants cascadeurs de Hollywood. J'ai nommé les Triple Z. Oh bien sûr, je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer aux loisirs, mais j'avoue que ce que je préfère, c'est regarder des films d'action avec les fameuses cascades des Triple Z. Merci beaucoup, monsieur le président. Ce compliment nous va droit au cœur, noble empereur président. Sapiens nil affirmat quoi de non promet, le sage n'affirme rien qu'il ne prouve. Tout à fait d'accord, Zanzibar. Traitua quemque voluptas, chacun a son penchant qui l'entraîne, n'est-ce pas, Zirouezazi? Dites-moi, à combien roule votre engin, cher Zanzibar? À plus de 1200 km/h, noble empereur président. Vous savez ce qui me ferait plaisir? C'est que vous m'emmeniez faire un tour. Eh bien, avec plaisir. Monsieur le président, l'Air Force One est prêt à décoller. On vous attend à Washington. Oh, mes chers Triple Z, le devoir m'appelle, une autre fois, peut-être. Vous serez toujours le bienvenu, monsieur le président. Et voici le numéro de ma ligne directe à la Maison Blanche. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Ce noble patricien est vraiment très aimable. Et fin lettré. Il a tellement de charme. Moi, je le trouve horriblement vulgaire. Manquant d'humour, mal habillé. Petit, il est trop gros. Vous voyez, Douga, bah, il m'a déçu. Il connaît rien au cinéma. C'est très vrai ce que vous dites là, Gloriane. Par l'Olympe, qu'est-ce que c'est que ça? Zazie, Zanzibar, revive! Il faut aller voir ce qui se passe. C'est que leurs intentions ne sont sûrement pas pacifiques. Ils font monter de force dans leur grosse baleine tous les nobles habitants de la contrée. Il faut absolument faire évacuer l'équipe du film. Armons-nous et attaquons ces barbares. Non, frère, ils sont beaucoup trop nombreux. C'est horrible. Que vont-ils devenir? Hein? Quoi? Vous voulez rire?
Donc, si j'ai bien compris, des extraterrestres, avec des tentacules à la place des bras, sont en train de faire prisonniers tous les terriens qu'ils trouvent. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire? Les emmener sur la planète Mars? Tu ne comprends pas, citoyen shérif. La situation est très grave. Arrêtez de me faire rire! J'ai les lèvres gercées! Allez, finis la rigolade! Fichez-moi le candidat avant que je vous coffre pour outrage à un représentant de la loi! On est sérieux ici! On ne fait pas de cinéma! Allez dehors, les rigolants! Superbe le déguisement! Non! Au secours! Et les cascadeurs! Revenez! Ah, laissez-moi rire, je n'ai jamais rien entendu d'aussi drôle. Ah, voilà, beau scénario, les gars. Quel pays de fous, personne ne veut nous croire. Par Vénus, je ne suis pas ce qui me retient. Mais il y a une issue. Qu'est-ce que tu veux dire? L'empereur président. Lui, il nous croira. Mais bien sûr! Vite, téléphonons-lui! La communication ne passe pas. Les extraterrestres doivent brouiller les ondes radio. Ça, j'en suis sûre. Dans ce cas-là, il faut aller à la Domus Divina du président. Tu veux dire à la Maison Blanche? À Washington? Je suis d'accord avec vous, mais il faut mettre toutes les chances de notre côté. Nous allons nous séparer. Nous séparer? Mais oui, Zazie, si les barbares extraterrestres veulent nous attraper, nous aurons trois chances au lieu d'une... D'arriver à Washington et de prévenir le noble empereur président. C'est bien compris, les amis. Zéro passera par le nord du pays, Zanzibar utilisera la fameuse route 66. Quant à moi, j'irai par le sud. Bonne chance à tous et rendez-vous à la Maison Blanche. Rendez-vous à la Maison Blanche. Rendez-vous à la Maison Blanche. Par Jupiter, vous voulez jouer au plus malin? Eh bien, allons-y! Jouer avec le grand Zerus, le plus grand gladiateur de tous les temps, et vous... Quoi? Non, non! C'est pas vrai! Encore les autres, alors allons-y! Eva, quand vous demandez des renforts, vous n'y allez pas de ma mort! Ils t'ont pas fait de mal, au moins. Non, ça va. Le grand amiral de la flotte vous souhaite la bienvenue.
Tous les terriens seront emmenés sur la planète Aldébaran, où ils auront la chance de se rendre utiles en servant d'esclaves dans les mines de bauxite. La Terre, débarrassée des terriens, sera transformée en camp de relaxation pour les habitants de la planète Aldébaran. Eh bien, voilà un vaste programme. Et Zanzibar, ils ne l'ont pas arrêté? Zanzibar est notre seule chance. S'il ne passe pas, je ne donne pas cher du sort des terriens. Je tiens à demander un traitement de faveur pour les stars. Oh, laisse tomber. Tu vois pas qu'on est dans la mélasse jusqu'au cou, Doug. Tout ce qu'il faut espérer, c'est que Zanzibar nous sorte de là. J'avais un rendez-vous. Par Junon va dire au noble empereur président que son ami Zanzibar est là et qu'il veut s'entretenir avec lui dans les plus brefs délais. Vous voulez pas voir la reine d'Angleterre tant que vous y êtes? Allez, déguerpissez avant que je ne m'énerve. Bon, je sens que c'est moi qui vais m'énerver. Oh, alerte! Alerte! Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Rentrez vous cacher, monsieur le président. Nous venons d'arrêter un dangereux terroriste. Noble empereur président, c'est moi, Zanzibar. Zanzibar, l'un des triple Z garde. Faites monter tout de suite mon ami cascadeur. Tout ce que tu me racontes est incroyable. Et j'espère que tu me crois, noble empereur président. Oui, Zanzibar, et je vais t'en montrer la preuve. Dur à l'ex, c'est de l'ex. Oui, la loi est dure, mais c'est la loi. Pour une fois que je peux parler latin avec un ami. Alerte rouge! Donnez l'ordre à l'armée de passer en code Falcon 4! Alerte mondiale! Que toutes les armées alliées soient prêtes à passer à l'attaque! Bien, noble Zanzibar, nous allons suivre cette bataille du PC d'alerte. Monsieur le Président, votre appareil Air Force One est prêt à décoller pour vous emmener au PC d'alerte. Ah non! Pour une fois que je pouvais m'amuser un peu, Zanzibar, est-ce que tu peux m'emmener dans ton engin? Avec le plus grand des plaisirs, noble empereur président. Tu me croiras si tu veux, Zanzibar, mais ça fait 15 ans que je n'ai pas eu l'occasion de me divertir de la sorte. Oh, tant mieux, noble empereur président. Mais il ne faudrait pas oublier de libérer mes amis. Ne t'inquiète pas, nous allons nous occuper de ça. D'après mon ami Zanzibar, la base des extraterrestres se trouve ici, au cœur de l'Utah. Envoyez toute notre aviation et forcez-les à libérer les malheureux qu'ils ont kidnappés. Pour libérer vos prisonniers. Sinon, nous détruirons votre vaisseau amiral. Je répète, je vous donne une minute pour libérer vos otages. Me dit que Zanzibar a réussi. Oh, c'est mon frère, Zazie. Ce n'est pas n'importe qui, c'est mon frère.
Et les extraterrestres ont libéré tous les otages, monsieur le président. Alors qu'ils retournent chez eux et qu'ils ne s'avisent pas de revenir, je vais maintenant me rendre en Utah pour m'assurer moi-même que tous les prisonniers vont bien. Et je vais faire préparer votre appareil, monsieur. Ce n'est pas la peine, brave centurion. Je me charge d'emmener l'empereur président là-bas. Merci beaucoup pour votre accueil. Mais vous savez, il n'y a qu'une personne à féliciter ici. Une personne dont le talent n'a d'égal que l'audace et l'intelligence. J'ai nommé, bien sûr, l'inoubliable, l'incroyable Zanzibar. Ah, quel mufle, ce président! Tout à fait d'accord avec vous, ma chère Gloriane. Il manque totalement de bon sens. Ils n'ont pas peur. Au sol ou dans les airs, des chutes spectaculaires.